À mon avis, il manque des longueurs de tuyaux. Essaye de jouer peut-être avec celle-là. C'est sûr et certain. Je crois que c'est prévu. Mais t'as joué avec celle-là, ouais, parce qu'on a fois que celle se bloque, elles sont un peu difficiles. Il y a des tuyaux neufs qui vont être attribués. Pour l'extérieur. Deux mois. Comme dans une caserne, hein, on prend en compte à la vérification du matin les véhicules. Donc là, ils vont être utilisés pendant 11 semaines. Donc il est important que les stagiaires s'habituent à faire les vérifications et prendre en compte l'ensemble de leur matériel qu'ils utiliseront durant toute leur formation. Hein. Donc, là, sur les mises en situation professionnelles, on recrée la réalité, que ce soit en caserne ou après en intervention durant la formation. Ouais, vas-y, on va faire avec la pompe à vide. C'est important de faire des vérifications. Oui, bien sûr, de vérifier si notre matériel est bien opérationnel avant de partir en intervention. Au moins, ça nous permet de connaître un petit peu ce qu'il y a dans le véhicule et trouver son emplacement. On va où, tu m'as dit ? Ça marche. Alors, ici, non. Les garçons, j'aime le sport. Donc là, ils sont en train de prendre en compte leur partie des locaux pour tout ce qui va être salle de cours, révision, tout le travail, on va dire, théorique. Qui va être à disposition pour eux pour les 3 mois de formation au sein de la base. Voilà. Et là, on va se rendre maintenant au local, à l'endroit où ils vont dormir, et tout ce qui va être dortoir, la partie hébergement et sanitaire.